Et même la passe, la dernière, on dirait que les Tigres sont au courant de ce que les Foreurs vont jouer. Ça revient de Valpé à Brunet. C'est bloqué par Cousino. Bel arrêt important contre un joueur de hockey pour commencer le match. Qui va mollement du revers, et ça, c'était à proscrire. Si vous voulez y aller mollement, du revers, en plein milieu de votre zone, vous n'aimerez pas le vidéo. Là, il n'y a plus de gardien. Oh! Et c'est bloqué. Pas de 20. Deux à soi. Et ça passe juste à côté. Brunet va vouloir alimenter Roy. C'est comme de rien. Finalement, on voit ça plus bas. Ça lui revient. Il est dangereux, Brunet. C'est un client emmerdement, comme dirait l'autre. Là, Barry, c'est chicane avec la rondelle. Et but! Bellegarde profite d'une hésitation du quatuor défensif et c'est 1-0. On cherchait la rondelle à l'intérieur là, du demi-cercle de Frédéric Cousineau. Le beau jeu de passe entre... C'était Cormier, le soleil ligne rouge de début avec Frédéric Brunet. On a été patient du côté du défenseur avant de remettre à Cormier. Et c'est surtout le tir de ce dernier d'un angle fermé là, qui a donné le quelques bizarres à tout le monde devant le filet. On cherchait la rondelle qui était libre et c'est le vétéran de 20. On va passer à deux joueurs. Les Foreurs qui ont eu probablement la meilleure chance de compter. Là. Ouais. Veillette en contre-attaque. Et tire le but! Quel tir de William Veillette! Wow! À l'endroit où grand-maman cachait justement la jarre à biscuits. C'est un tir d'un angle fermé qu'on va revoir de William Veillette qui est arrivé en accélération, lui, sur le flanc gauche. A été en mesure de déborder les défenseurs. Antoine Lagacé, le joueur gaucher, a eu l'avantage de contre les défenseurs droitiers. Et Veillette, du bas des cercles, a trouvé la minime ouverture là, par-dessus l'épaule de Frédéric. C'est des gros dossiers là, tout de même à gérer. Ouais, t'sais, pour l'instant, c'est clair que Blackburn est ton numéro 1, Fernandez ouais. Ton numéro 2. S'il arrive quoi que ce soit, s'ils peuvent pas revenir, il n'y a... Hey, oh, c'est venu près là-dessus! Le 17, pendant que je tergiversais. Brice, puis pour en avoir parlé déjà à l'organisation aujourd'hui, tu veux faire les séries, puis ça, en gagner une sur deux sur la route pour commencer, comme l'an passé. Surtout que ça va être contre des grosses équipes. Voilà but! David Doucet posé sur une rondelle libre, alimenté par Cloutier. Et c'est 2-1, les Foreurs reviennent dedans. C'est une rondelle bondissante devant la cage de Nathan Darvaux, le tenter de garder les choses simples du côté des Foreurs de Val-d'Or. C'est seulement le troisième tir au but. Une rondelle du coin qui remonte devant le haut de l'enclave. Le tir de Louis Robin qui a été partiellement neutralisé devant Nathan Darvaux. Ça devient un rebond là, devant le gardien de but Darvaux. Et c'est David Doucet en tombant du revers qui vient placer le disque. Il y a peu de place. Ouellet va reprendre là-dessus, mais à un moment donné, ils vont se fatiguer aussi. Là. Ils seront foreurs d'en profiter. Un tir de Ouellet, retour. Et le but! Nathan Paris! Pointage égal à Val-d'Or. On va profiter de l'avantage numérique du côté des Foreurs de Val-d'Or sur ce 4 minutes. C'est Nathan Barry qui va être en mesure de saisir d'abord un tir bloqué de devant le filet. C'est Thomas Belzil qui a bloqué le tir de la ligne bleue de Mathis Ouellet. Il y avait le retour qui était payant devant le filet et crédit à Mathis Cloutier. Oh oui. Un grand attaquant qui va aller se poster devant le petit, en parenthèse, le gardien de but des Tigres de Victoriaville. Et sur le retour de lancer, il n'y avait aucune chance. Bellegarde. La voici un peu plus bas. Ça va revenir point d'appui vers Roy. Roy cherche une ligne de tir. Il n'y aura que de la passe de possible. Roy était prêt à lancer. Pellerin un tir bloqué. Retour au début! Bellegarde! Son deuxième but du match qui était encore à son endroit. Je vous en parlais il y a quelques instants. Devant le filet. Il aime ça être dérangeant pour les défensives adverses. Il a marqué avec le bâton là, de Alexandre Nadeau parce que Bellegarde avait brisé son bâton en fond de territoire. Il a eu le temps d'aller en chercher un autre au banc de son équipe. C'est Maxime Pellerin là, d'un tir bas là, du haut des cercles. Bellegarde avait tenté la déviation pour reprendre son retour de lancer de devant. Retour vestiaire. La Roche remet sa balle à Robin. C'était dangereux. Vers Provo, 10 secondes à faire. Se défait de l'adversaire, échappe la rondelle. Drapeau, un tir dans la gobeuse de Darvaux. Bel arrêt là, de Nathan Darvaux là, d'un tir à... Une pénalité. Ben, c'est que j'imagine que le jeu s'est fait en retard quand le tir avait déjà été fait contre Bellegarde. C'est le but! Mais ce que je veux dire, alors que Pellerin marque en double avantage numérique, il n'y avait pas aucune infraction à Antoine Lagacé là-dessus. C'est pas une pénalité, ça, je regrette, là, mais je suis pas mal certain de ma shot, là, alors que parlant de shot, Pellerin, en infopé, le capitaine qui ajoute un quatrième but pour les siens. 4-2, mise en jeu gagnée. Dès que la mise en jeu était gagnée, les Foreurs étaient dans le trouble. Ça a pris 4 secondes à 5 contre 3 là, au Tigre pour marquer là, ce but. Les gars qui ont reçu les rondelles, les drapeaux insistants pour Veillette, mais la rondelle ne quitte pas le territoire.
ça, généralement, ça se finit en but ou en pénalité, ce genre de séquence-là. Surtout que le banc est loin en deuxième pour les changements. Là. C'est bien, c'est le but! Un deuxième pour lui et un tir parfait pour le 48. Tu venais d'en faire mention, François, que la séquence, ça commençait à bourdonner dans le territoire des Foreurs de Val-d'Or. On n'a jamais été en mesure de prendre possession de la rondelle. Et un beau travail à la ligne bleue de Pierre-Olivier Roy qui est venu stopper sur la ligne bleue. C'était limite pour maintenir l'attaque en territoire des Foreurs. Et Veillette avait été oublié seul dans l'enclave. Mauvaise idée, c'est un bon vétéran dans la ligne. 7-0 pour les crinquer un petit talent de motivation. 2 contre 1. Provo avec Larouche. Provo s'amène. Applique les freins. Passe vers Larouche. C'est bloqué. Retour. Quel arrêt de Darceau là-dessus. Vient voler William Provo qui s'en veut. Bourano-Moué. Envoie ça à Saint-Onge. Tire de Saint-Onge. Retour. Juteux. Et l'arrêt de Fernandez à bout portant là-dessus. Vient plein. Sa zone qui est attitrée. Ce qui fait que c'est difficile de percer la défensive des Tigres. C'est bâti par la défensive cette équipe-là. Fait que peut-être un peu moins de talent brut. Et le but! Un tir parfait, partie supérieure, Elliott Simard. C'est Maël Lavigne, le numéro 17. C'est Lavigne, je pensais que c'était 12. Non, c'est le... Il me semble que Simard a changé de trio. C'est Lavigne qui marque encore un tir, partie supérieure. L'un des jeunes joueurs acquis du côté des Tigres de Victoriaville, acquis le Drakkar de Bécomo. C'est l'entrée de Gorianov et la passe qui a été dirigée simplement devant le filet. Le drôle de rebond là, contre Prishkapov et ça va sourire à Maël Lavigne là, qui n'a jamais abandonné sur la série. Une mise en échec, c'était tout près du blind side sur l'agacé. Le jeu se poursuit. Yacenza vers Veillette, qui en a déjà 2. Veillette, généreux. Et wow! Ça va aller à Barry. C'était pas évident à capter ça pour Larouche. C'est peut-être un 2 contre 1. Doucet devrait être bon dans le repli. Attention vers Simard. Et le but! Quelle passe là-dessus et quelle mise en scène. Et les Tigres, ils n'ont aucun complexe, même à court de l'homme. On l'a vu tout au long de la rencontre, les Tigres qui excellent dans cette unité. C'est la première et le premier de la Ligue en désavantage numérique du côté de Victoriaville. On a bien saisi la rondelle en zone défensive. On a surpris les défenseurs à la ligne bleue. C'est l'accélération de Alexandre Nadeau en territoire central, le 2 contre 1. Le repli de Doucet était quand même très efficace, le plongeon, mais la passe soulevée. Je veux te rappeler que ça t'arrive aussi. Ça a déjà été 7-0 ici, il y a 2 semaines. Tu veux rester quand même relativement humble, mais je suis assez conscient que c'est des 16 à 21 ans. Tire de Nadeau, le but! Nadeau dans l'enclave. Partie inférieure, le low blocker side, comme ils disent en anglais, c'est 8-2. On l'avait oublié devant le filet et c'est encore une fois le travail en fond de territoire. On a été incapable de libérer le territoire là, du côté des Foreurs. On a échappé la rondelle dans le coin de la patinoire. Nadeau qui lui arrivait dans la mêlée, s'est isolé dans le haut de l'enclave. On revoit la reprise. C'est Bolduc cherchait la rondelle dans ses patins. Nadeau libre comme relair tout le temps pour placer la rondelle à la droite de Fernandez. D'autobus est particulièrement le fond dans le parc Laveyrand. Les Tigres sont quand même arrivés une journée d'avance pour prévoir le coup également, là, avoir une bonne nuit de sommeil à l'hôtel. Et Veillette, revers, troisième but, quasi identique. Il lance tout le temps partie supérieure et ça fonctionne souvent pour le 48. C'est un tour du chapeau pour le vétéran du côté des Tigres de Victoriaville, connu du succès tout le long de l'année là, contre les Foreurs. Un but compté en avantage numérique alors qu'il avait été là, isolé dans l'enclave. Un tir partie supérieure là, qui était précis du revers. Un beau jeu de passe avec Iacenza et Veillette qui est allé descendre très très bas. Là, c'est donné l'ouverture du revers. Place le disque. C'est des 16, 17, 18 là, qu'on va bâtir du côté des Foreurs de Val-d'Or. Et on va essayer du mieux qu'on peut là, pour les prochaines saisons. Loin Simard à 2 contre 1. Loin vers Simard. Le but! On a joué de chance là-dessus. La rondelle qui s'est ramassée. On ne sait pas trop comment jusqu'à Simard. Et c'est 10 à 2. Un surnom qui a été créé également. On a perdu la possession là, à la ligne bleue des Tigres chez les Foreurs. On a décampé à l'autre bout rapidement. On a tenté le repli tout de même pour fermer l'option de passe devant Elliott Simard. C'est l'accélération de Blouin là, qui a pénétré en territoire ennemi. C'est Provo là, qui a touché la rondelle dans son repli. Et ça va être un cadeau là, pour Elliott Simard. Fernandez a été très audacieux en première période. Brisson dans son repli, c'est un surnom, c'est mené par vers Blouin. Et le but!
Blouin sur un 3 contre 1, alors que les Foreurs pensaient un peu beaucoup attaque. Un surnom en territoire central. Le repli qui était très lent va de s'amener où c'était isolé en zone centrale. C'est Elliott Simard qui avait déjà 2 buts à son actif. Reçoit le relais de William Veillette. Tout un match pour le vétéran des Tigres. Le 3 contre 1, c'est un tic-tac-toe. Veillette à Simard et Simard. Jonathan Barry. Barry pousse pour tanguer, c'est bien fait. Vers Barry qui accepte. Hey, belle arrête d'Arvaux!